Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le petit message. Donc on va voir le message qui est à vous passer aujourd'hui. Quel est le message à transmettre? Donc je vais sortir toutes les cartes. Et ensuite, je vous donnerai le message. Oups. Écoutez, ça ressort. Et ça se met en place très rapidement. Je pense que vous l'aurez déjà compris. Oups, ça fait beaucoup. Il faut juste deux. Pas une de plus, pas une de moins. Bon, c'est assez rapide, hein, c'est sur cette période automnale, en sachant que la période automnale se termine le 20 décembre, hein, puisque le 21 décembre étant la saison hivernale. Écoutez, là ici, hein, vous aurez compris, j'ai des retours de personnes du passé ici vers vous. Alors, que ce soit sentimental, que ce soit amical ou que ce soit familial, d'accord? On parle de personnes ici avec qui, avec qui il y a un lien très fort, très fort ici. En dos de deck, on est bien sûr du relationnel, hein, sentimental, amical, familial. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions ici, d'accord, hein. On est sur des émotions croissantes, sur des évolutions, mais on est sur quelque chose de positif. Hein. Il y a une forte énergie de révélation, hein, de révélation ici, d'éclaircissement, de compréhension, d'apporter. Regardez, hein, grande énergie de compréhension, et on parle de vous en tant que consultant et consultante ici. J'ai quelque chose qui va amener de la transformation, hein, mais sur quelque chose de croissant. Donc, que ce soit, je me répète, mais sentimental, amical ou familial, écoutez, ce sont les énergies actuelles, hein, depuis un petit moment. Hein, on parle bien que sur cette saison de l'automne, hein, il y a des retours. Okay. Maintenant, ça peut être vous, hein, également qui fassiez un retour vers une personne. Bon. On est sur un contexte qui se met en place très rapidement. Il y a des déplacements, il y aura des rencontres. Par rapport à ces retours, on revient avec une grande sincérité de cœur et d'âme. Hein. C'est sincère, c'est véritable, c'est souhaité au plus profond de soi et c'est souhaité et désiré et voulu par amour. D'accord, hein. Donc il y a une sincérité d'émotion envers une personne ici, d'accord. On est sur un lien de toute façon où la personne face à vous, il y a un lien fort, d'accord. Il y a un lien fort, il y a un lien inconditionnel, un lien fraternel, un lien où en communication avec cette personne auparavant, il y avait une excellente entente, hein, en fait, hein, ici, d'accord. Et il y a une proposition, hein. Moi ici j'ai une proposition, on vous tend la main, il peut y avoir pourquoi pas un mea culpa, hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais j'ai cette notion de forte retrouvaille. On a vraiment envie au plus profond de soi de retrouver une personne de son passé ici. Ça a été maturement réfléchi, on y a amené des réflexions avec beaucoup de maturité, avec beaucoup de sagesse. C'est une personne que vous connaissez depuis un moment, hein, au minimum un an, d'accord.
C'est familial, bah, depuis votre naissance, hein. Mais j'ai une très très belle réussite là-dessus, sur ce retour. C'est une personne, la personne qui fait son retour, c'est quelqu'un qui a lâché prise, hein, par rapport à certains contextes, dans sa vie, par rapport à certains comportements, par rapport à certains jugements. C'est quelqu'un qui revient totalement dans une grande énergie, de paix, mais qui va mettre beaucoup d'efforts, qui va y mettre beaucoup d'efforts, pour pouvoir faire ce retour, vers vous, ou vous vers une personne. Mais de toute façon, j'ai un accomplissement ici qui est total par rapport à ce retour. J'ai envie de rajouter une énergie. Chut, tenez, l'oracle des lumières. C'est vrai que les retours, hein, sont très très présents dans la matière, hein, actuellement. Alors, ben oui, hein, on voit qu'il y a eu une période de pause, entre vous. Ça a duré un petit moment. Il y avait besoin de ce recul. Il y avait besoin, même un besoin d'introspection, hein, d'être sur les bonnes réflexions. Mais on confirme, hein, quelque chose qui se met en place très rapidement. C'est le moment. On parle d'un homme, donc on parle de vous, messieurs, en tant que consultant, hein. Sinon, on parle d'un homme. Oups. Face à vous, j'ai l'abondance de la réussite ici, là-dessus. On parle bien d'une rencontre. Donc, oui, et qui se met en place, très rapidement. On rencontre, il y a de l'invitation, d'accord, hein? Il y a le fait de, bah, de se retrouver en face à face, devant un verre, devant un repas, etc. Ok, hein? On bouge, d'accord, on bouge et on met les choses à plat, hein, ici aussi, hein? Donc voilà. Mais là, ici, moi, j'ai un break, j'ai un recul. Écoutez, c'est ce message qu'on me passe, que la patience paye, d'accord, hein? Donc, la patience paye. Et puis, bon, oui, c'était un moment de repos, mais qui amène une abondance, d'accord, hein? Oui, on parle de vous mesdames, hein, ou d'une femme face à vous, messieurs, hein? Donc voilà, et regardez, on parle de cadeaux, de récompenses, hein. Donc, que ce soit vous ou une personne face à vous, moi j'aurai deux personnes ici, de toute façon, heureuses de se revoir, de se retrouver ici, hein. J'ai vraiment une très très belle énergie. Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Oups. Ben oui, il y a bien du déplacement, d'accord? Donc, bon, déjà, il y a de la distance kilométrique, entre vous, mais il y a du déplacement qui amène, oups, pardon, vers un nouveau départ. Donc voilà, d'autres decks. Oh, ben écoutez, vous avez la chance, vous avez la chance. Et oui, le nouveau départ est reconfirmé ici. On parle de période chanceuse, on parle de très belles opportunités, possibilités, hein, sur ces retrouvailles. Auparavant, on voit bien que voilà, hein, il y a eu de mauvaises bases, entre vous, hein, voire des mauvaises bases qui soit par vous, soit la personne face à vous, ou des personnes tierces, hein, ou un élément tiers, qui a fait que ça n'a pas pu démarrer comme cela, devait l'être, hein. Il y a un contexte où il y a eu un couac, d'accord? Mais bon, il y a un nouveau départ là-dessus, hein. Il y a un regain d'énergie, un regain d'enthousiasme. On voit bien, hein, par rapport à un moment de mal-être, hein, qu'il y a eu entre vous. Mais là, ici, on parle de clé de destinée, donc ça fait partie de votre chemin de vie. Vous avez la clé de la destinée, également, d'accepter ou de refuser, voilà, hein, de continuer après cette rencontre, ou non, hein, voilà, hein, on voit bien que le balayage du passé, c'était un accident, ça ne devait pas arriver. Oui, bon, il y avait peut-être des contextes de mariage, hein,
d'union pour certains et certaines d'entre vous, hein, mais il y a eu beaucoup de réflexions et qui sont extrêmement bénéfiques, hein, extrêmement bénéfiques, un grand travail sur soi, une grande protection, et on parle de cette énergie de l'automne. Donc voilà pour vous, mes petits loups, écoutez, pour ce message. Je vais vous souhaiter de passer une agréable fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.